Kadhafi, une cible légitime de l'OTAN, c'est aussi l'avis de Mustafa Abdel Jalil, président du Conseil national de transition libyen, qui a été reçu par David Cameron à Londres ce jeudi. Le représentant des rebelles s'est vu promettre plusieurs millions de livres d'équipement pour la police de Benghazi ainsi que du matériel de communication pour la rébellion. Kadhafi ne peut avoir aucun rôle dans la transition politique qui arrive, explique le Premier ministre britannique. Il est clair que le Conseil national de transition va lui jouer un rôle de premier ordre. Et nous invitons le CNT dès aujourd'hui à ouvrir un bureau officiel ici, à Londres. Le chef de la diplomatie de la rébellion, Mahmoud Jibril, sera reçu pour sa part ce vendredi à la Maison-Blanche par un conseiller du président Obama. Washington a déjà débloqué 25 millions de dollars pour soutenir la rébellion en Libye.